suis trop contente de la Nintendo que j'ai achetée au Japon. Oh my god. Et devinez quoi, j'ai presque terminé les mondes. Je vais vous montrer hier, ça m'a ouvert le château de Buzzer et tout. Oh! Je vous repartage la réduction pour Smile Addict. Vous avez moins 50% avec mon code. Et donc là, vous avez le sérum magique que je vous ai montré la dernière fois qui fonctionne tellement bien dès la première utilisation. Ça enlève tout, les traces de café, de cigarettes. Les dents, elles deviennent vraiment blanches. Et là, vous avez les petites bandes. Comme je vous expliquais, ces bandes, c'est pour entretenir le résultat qu'on va obtenir avec le sérum magique. Donc, on commence par ça. On se brosse les dents, genre 2 minutes, on mince. Vous allez voir, c'est tout simple. Déjà, il y a un très gros résultat. Et ensuite, on l'entretient avec les petites bandes qu'on vient coller sur les dents et qu'on retire après quelques minutes. Voilà, elles sont toutes à l'intérieur. C'est très rare que je snap depuis mon lit, mais là, je dois dire que je suis épuisée. J'ai couché les enfants, ils se battent pour que je les couche. Donc, je couche l'un, il râle. Je couche l'autre, il râle. Thomas est parti au sport. Donc, j'ai pas eu le choix. J'ai couché le petit en premier. Et après, j'ai été coucher Milan. Et en attendant, je lui ai dit qu'il pouvait jouer. Donc, voilà. Mais c'est vrai que le soir, ils se battent soit pour que leur père les couche. Genre les deux, ils veulent que ce soit leur père en même temps, ou les deux, moi. On se demande s'ils font pas exprès. Voilà, ensuite, j'emmène Milan au tennis. Je suis trop contente, il adore. Il se débrouille de mieux en mieux et tout. Donc c'est cool, c'est bien de savoir jouer à tout. Même si ça va pas devenir un grand tennisman, enfin, qui sait, on sait jamais. Mais au moins, le fait qu'il sache jouer quand il sera grand, il pourra aller faire du tennis avec des copains, enfin... Voilà, il fait tout, hein, du jujitsu, du tennis, de la musique, c'est vraiment cool, je suis trop contente. Et puis voilà, après je vais faire manger ce soir, et ensuite je pense que je vais dormir très tôt. Il y a des jours comme ça où, oh my god. Ouais. Tout en haut. Et maman, il a joué là-bas. Et moi j'ai joué avec papa, c'était bien? Et papa il a gagné. Bah voilà, comme d'habitude, hein. C'était bien? Oui. Préfère le foot ou le tennis? Les deux. Les deux? C'est bien, mon fils. Regarde Milan comme il joue bien, regarde. Regarde le grand. Non, tu vas voir, regarde. Il renvoie bien les balles, hein. Ah non. Le sèche-cheveux, tu peux pas le laisser dans le lit toute la nuit. Tu vois, parce que c'est pas parce que t'as froid qu'on va mettre un sèche-cheveux sous la couette. Je t'explique, je fais ça. Tout le temps, tu me mets le sèche-cheveux pour dormir dans le lit. Déjà, il fait trop chaud, voilà, je te le dis. Donc, s'il y a la clim, c'est pour ça que je suis malade. Aujourd'hui, tu vois, j'ai mal à la gorge. Tu mets le sèche-cheveux à fond. Non, mais attends, t'as mal à la gorge à cause du sèche-cheveux que j'ai mis dans le lit hier. Tu te moques de moi, là, chérie. Mais oui, parce qu'il y a la clim en même temps. Donc, du coup, ça fait chaud-froid. Chaud-froid, je me retrouve ce matin avec une angine. Voilà. Voilà. À cause de moi? À cause de toi. Non, viens me le dire en face. Viens me le dire en face, méchant. Je te le dis. À cause de moi? Je te le dis. À cause de moi. C'est complètement à cause de toi. Je te le dis. Mais tu m'aimes quand même? Non. Mais. Pas parce que j'ai des ganglions. Voilà, mais j'ai froid. J'ai mal à la gorge. Tu vois, je crois, hein, et je suis presque sûre, que genre il racle sa gorge. Ouais, j'ai mal. La Vierge et le Verseau. Regarde ma tête. On a été faire du sport pour ça. La Vierge, il boute la main. La Vierge et le Verseau, je crois qu'ils sont pas faits pour être ensemble. Parce qu'ils sont pas d'accord. La Vierge a froid, le Verseau a chaud. L'inverse. La Vierge range tout, le Verseau aime vivre dans son petit bordel. Car pour lui, c'est rangé. Celui-là, il est trop bien. En fait, on n'a même pas besoin de mettre d'huile. Il s'utilise sur une peau sèche. Après, on peut régler l'intensité. Et en fait, pour les personnes qui ont... Regardez. Bon, là, ça va. Mais c'est vraiment pour les capitons. Vous voyez la peau d'orange, même pas la graisse, mais vraiment la peau d'orange. Et ça, vraiment, en quelques jours, vous lissez tout ça grâce aux vibrations.
Donc en fait, ça réduit toute la peau d'orange, de toutes les parties du corps. Après, donc la peau, elle est lisse et ça la tonifie. Et regardez, il n'y a même pas besoin de mettre d'huile. C'est vraiment sur une peau sèche directement. Vous pouvez faire toutes les parties. Hein. Ça tonifie vraiment trop, trop bien. Ventre, les hanches, les bras, les cuisses, les fesses. Il y a une bonne prise en main. Donc une fois que vous l'avez allumé, hop, vous avez les vibrations. Donc moi, j'augmente un petit peu. Et là, bon, moi, c'est ma zone. Hein, mais vous pouvez vraiment faire toutes les zones, ok. Donc même le dos. Genre là, au niveau du dos. Et donc là, tranquillement, vous passez... C'est 2 minutes par zone. Et vous faites juste des allers-retours. C'est tout bête, vous voyez ? Les mouvements que ça fait. En fait, ça déstocke. Vous voyez comme ça fait ? Là, tout là, ça déstocke. En fait, ça draine. Ça enlève l'eau, ça déstocke. Voilà. Et vous... En plus, c'est hyper agréable. Hein. Franchement, il est plutôt léger. Celui-là, je vous l'avais jamais montré, mais c'est vrai que j'utilise pas mal. Surtout que pour ma zone, en fait, il est juste parfait, quoi. Voilà. Vous passez 2 minutes comme ça, ça détend. Et puis en même temps, ça... Vraiment, ça travaille très, très bien. Il n'y a rien besoin de faire, en plus. Des araignées dans les cheveux. You have spider? Mommy head? Where? Mommy head? Look in your ear, dans l'oreille. Oh, you have spider in the ear. Look. Voilà, donc j'ai fait 2 petites minutes sur chaque zone, mais en fait here. Mais c'est vrai que moi c'est vraiment à cet endroit-là, donc c'est toujours la même zone. Et quand je fais rien, ça revient. Here? Va, 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 va. Donc là, je suis partie en phase d'attaque, je vais le faire tous les jours jusqu'à que je sois satisfaite. Parce qu'en fait, ça se voit pas, mais dès que je vais m'asseoir, là, ça va se voir. J'essaie de vous montrer, mais... Donc là, ça se voit pas. Là, on dirait que j'en ai pas. Et là, c'est là-dessous, en fait. Mais là, j'ai bien travaillé. Ça fait déjà 3 jours que j'ai commencé, comme on part bientôt. Et ensuite, ce qui marche trop bien, là, avant d'aller me coucher, c'est les soins nuit. Ça, c'est trop bien. Ventre. Et vous avez ça aussi, la crème raffermissante. J'en ai presque plus, regardez. Tous les soirs, j'en mets sur le ventre de celle-là. Tous les soirs. Elle est presque vide, c'est ma 3e. Ça m'a changé la peau. La qualité de la peau, ma peau, elle est ferme, elle était... Snaggy. J'en mets partout, sur les cuisses, les fesses. Au lieu d'utiliser une crème hydratante qui va juste m'hydrater et qui sert à rien, enfin, pas à m'hydrater. Là, au moins, celle-ci, elle va raffermir, mais vraiment. C'est pas genre, ah, ça raffermit, mais on voit rien. Là, vraiment, j'ai vu des résultats, donc je suis contente. C'est vraiment des produits qui fonctionnent très bien. Et ensuite, je vais mettre la crème vergeture au niveau des fesses, celle-ci. Voilà, après, moi, j'ai tous mes produits, hein, juste ici. Qu'est-ce que t'as pris ta boîte? T'as pris ta boîte? C'est à ton frère? Léiane, j'essaie de plus lui parler en français parce que comme ça, il apprend le français en même temps. Milan, il a d'abord appris l'anglais, après le français. C'est à ton frère ou c'est à toi? À Léiane? À brother, ok. Donc ça, c'est le soin nuit. C'est le soin à mettre tous les soirs sur les cuisses. Avant d'aller dormir, ça permet d'enlever la cellulite déjà, de raffermir la peau et de brûler les graisses. Donc ça va réduire les graisses. Vraiment, ça affine bien, bien, bien et surtout ça enlève toute la graisse, la mauvaise graisse. Donne à maman ça. C'est pour moi ? Thank you. Thank you. Donc là, vous avez. Les Women's Day, je regarde. En fait, le problème avec les escaliers, c'est que il faut toujours vérifier que la porte soit fermée. Des fois, je me réveille la nuit, la porte des escaliers, genre j'en fais des cauchemars, quoi. Donc là, vous avez les Women's Day pour la journée de la femme chez Cellublou.
Donc vous avez moins 80% donc déjà sur le site et avec mon code, vous avez moins 20% supplémentaire. Je vous l'écris ici. Donc peu importe ce que vous prenez, c'est un minimum d'achat. Quand vous mettez les crèmes, faites ça, regardez. Vous voyez ça? Ça fait toute la différence. Vous massez bien bien la crème. Vous allez voir, ça change tout. Faire le petit massage. Voilà. Les bisous, maman. Toi, tu fais pas beaucoup de bisous, toi. Hein. Toi, t'aimes pas trop trop les bisous, toi. Hein, bobo? Voilà. Donc, je vous mets ça. Je vais mettre une petite huile anti-vergéture un peu là, voilà, partout. Sur les fesses. Celle-ci. D'ailleurs, je vous la recommande. Elle est trop bien. Pour les femmes enceintes, même si vous n'êtes pas enceinte, ça va les faire pas disparaître, mais ça va beaucoup les atténuer. Voilà, pour pas vous dire de bêtises, visiblement, on va moins les voir. Elles seront moins profondes, en fait. Si vous n'en avez pas, ça fait de la prévention et c'est très bien. Donc, n'hésitez pas, moins 20% avec mon code, je vous le mets ici. Et vous avez tous les produits, tous les appareils électriques. Et vraiment, enfin, comme je vous dis toujours, c'est important de prendre soin de soi, d'avoir des bons produits. Et surtout des produits qui fonctionnent pas, qui vous promettent monts et merveilles et puis vous l'achetez puis ça fait rien. Là au moins vous voyez vraiment un avant après et vous sentez bien quoi. Je voulais juste vous montrer celui-là. Donc c'est un caviar minceur. Parfois il y en a pas mal qui me disent oui mais moi ça partira jamais. J'ai vraiment de la graisse qui est là depuis des années. Bah en fait celui-ci, vous voyez les petites billes à l'intérieur, il est vraiment fait pour les zones rebelles. Donc il est très très concentré on va dire et très efficace. Et pareil, si vous avez un peu de ventre, poignée d'amour ou des zones où vraiment ça a du mal à partir, quoi. Et ben ça, c'est le caviar minceur. Vous le mettez, voilà, juste comme ça. Vous massez bien et vous allez voir, ça c'est archi puissant. C'est très efficace. Ah oui, il pleut aujourd'hui. Comment on va faire ? Bon, je sors de la douche. Aujourd'hui, il pleut à Dubaï. Et quand il pleut, genre, il n'y a rien qui est possible de faire. Genre, les routes sont barrées et tout. Et les gens, ils sont tellement paniqués que... Voilà, donc on a tout annulé ce qu'on devait faire. Et je pense qu'on va... on va voir ce qui se passe, mais on va peut-être rester à la maison aujourd'hui. Voilà, ça, c'est top. C'est de chez Sempar. Et en fait... Oui, mon fils, il y a de la théine dedans et c'est trop bien pour les cernes, les personnes qui se réveillent avec des cernes, les yeux gonflés et tout. Il y a une petite bille, vous voyez. Ça, c'est incroyable la différence que ça fait. C'est trop bien. Voilà, en plus, ça décongestionne en fait. Donc, comme il fait froid dehors, on a mis un... Enfin, qui a fait ça, c'est toi ? Voilà, donc il a mis un bonnet à Doudou parce qu'il ne faut pas que Doudou attrape froid. Et donc Doudou a son petit bonnet qui était initialement une chaussette. Oui. Ok. Je vais essayer de me faire un chauve-vue. Un chauve-vue. Chauve-vue, comment il est tout le coup. Est-ce que je vais avoir mon pinceau? Hein? Can I have my pinceau? Je vais essayer de me faire un chauve-vue. S.O.S. Somebody rescue me. I got too many, What to do to rescue me? All right. Baby. Donc là, je vais l'emmener. What did you press? Je l'emmène à mon rendez-vous pro. C'est quoi un rendez-vous? Parce que normalement, il était en activité aujourd'hui. Il avait musique. Mais comme tout est annulé, eh ben, il va au rendez-vous avec maman. C'est quoi on va voir l'hôtel, on voit les poissons. On va à l'hôtel Atlantis, mais c'est pas pour voir les poissons. Mais on ira après les voir, ok? Allez, go. Hello!